الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc nous allons étudier بإذن الله تعالى le 10e hadith du recueil de l'imam al-Nawawi. Et c'est un hadith azim. C'est un hadith immense. Et d'entre l'ensemble des hadiths qui ont été cités dans ce recueil, les 42 hadiths, c'est un des hadiths les plus magnifiques. Ibn Abbas, radiallahu anhu, est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fils de Al-Abbas, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divisent en trois. Les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divisent en trois. Il y a ceux qui ont embrassé l'islam, qui ont cru en lui, l'ont secouru. Parmi eux, Al-Abbas. Parmi eux, Al-Abbas. Parmi eux, Hamza. Parmi eux, Hamza. La deuxième catégorie sont ceux qui ont mécru en lui et qui l'ont combattu. Ceux qui ont mécru en lui et l'ont combattu. La troisième catégorie, ceux qui ne l'ont pas suivi, mais ne l'ont pas combattu. Et Al-Abbas, radiallahu anhu, fait partie de ceux qui ont cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ont suivi et l'ont secouru. L'ont suivi et l'ont secouru. Il a parmi ses enfants, Abdullah, qui est un des meilleurs compagnons. Il était jeune, radiallahu anhu. Il n'était pas comme les autres enfants de son âge. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait des recommandations à lui tout particulièrement. À lui tout particulièrement, il le choisissait. Et il l'éduquait lui tout particulièrement. C'est comme s'il avait vu en lui une intelligence particulière. Ibn Abbas radiallahu anhu s'est distingué des autres enfants de par son intelligence, mais aussi de par son bon comportement. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit dua pour lui. Dans un hadith, il a dormi chez sa tante, Khalatu Maymouna, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti faire ses besoins, Ibn Abbas radiallahu anhu est parti chercher de l'eau et a déposé cela devant la porte. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'eau, il a demandé à Maymouna radiallahu anha qui est-ce qui a ramené cette eau. Elle a répondu, c'est Ibn Abbas. Ibn Abbas radiallahu anhu, de par son bon comportement et son intelligence, il a devancé le besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son envie. Et il est parti lui chercher de l'eau. Il est parti lui chercher de l'eau. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été étonné de son intelligence. Et il a fait du'a pour lui.
Donc le bon comportement d'Ibn Abbas radiallahu anhu a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui en disant Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ô Allah, instruis-le dans ta religion. Fais-lui comprendre sa religion et enseigne-lui l'exégèse du Coran, le tafsir, at-ta'wil ay at-tafsir. Fais-lui comprendre le Coran, fais-lui comprendre ta religion. Donc Ibn Abbas radiallahu anhu a tiré profit de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé cette invocation. Ibn Abbas est devenu l'un des plus grands savants de l'islam, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans le hadith. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait vu lui aussi l'intelligence d'Ibn Abbas et il lui rapprochait dans ses assises privées, dans les assises où il y avait les grands compagnons, les grands sahaba parmi le muhajirina wal ansar, parmi ashab badr. Donc il faisait rentrer Ibn Abbas qui n'était encore qu'un jeune homme. Et lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a reçu quelques remarques de certains grands compagnons en disant كيف تدخل علينا هذا الغلام في مجالسنا ولنا غلمان في سنه لا نحذرهم. Ils ont dit, comment se fait-il que tu ramènes cet enfant dans nos assises alors que nous avons des enfants qui ont son âge et on ne les amène pas dans ces assises. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est montré patient et a attendu une occasion de leur montrer que cet enfant qu'il fait rentrer dans ses assises n'est pas comme les autres. Alors un jour il a récité sourate Iza ja'a nasrullahi wal fath, an-nasr. Ensuite il a demandé aux compagnons, que voyez-vous dans cette sourate? Informez-moi du tafsir de cette sourate. Et chacun a cité ce qu'il voyait parmi le sens à part. Arriva Ibn Abbas, Omar lui a dit, radiallahu anhu, ماذا عندك يا ابن عباس؟ Et toi, qu'est-ce que tu vois, Ibn Abbas? Ibn Abbas a dit, cette sourate, c'est l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate, c'est l'annonce que la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est proche. Il y a le secours d'Allah, les gens vont entrer dans la religion, il ne te reste plus qu'à faire des ibadat, du tasbih et de l'istighfar. C'est que la fin est proche, il a accompli sa mission. Lorsque sahaba ont vu et entendu le tafsir d'Ibn Abbas, après plus personne ne s'opposait à sa venue dans leurs assises, car ils ont compris qu'il avait une intelligence particulière et qu'Allah Azza wa Jalla lui avait donné un don dans la compréhension du Coran. Ensuite Omar ibn Khattab a dit, je ne connais pas plus que ce que tu viens de citer. Je ne connais pas plus que ce que tu viens de citer. Ibn Abbas radiallahu anhu a atteint un niveau immense dans le tafsir, au point où le plus savant des compagnons dans le tafsir, ou bien la yani asbab al-nuzul, les causes de la révélation du Coran, qui est Abdullah ibn Mas'ud, c'était le plus grand savant des compagnons dans asbab al-nuzul, les causes de la révélation du Coran, si ce n'est aussi avec le tafsir, mais j'ai un doute sur le tafsir. Ben lui a fait les éloges d'Ibn Abbas. Et ce gars n'était pas à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'Ibn Abbas a continué à vivre par la suite et prendre encore plus de science. Il a dit, ni'ma turjuman al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas. Quel bon exégète du Qur'an qui est Abdullah ibn Abbas. Ibn Mas'ud, qui est un spécialiste du Qur'an. Ibn Mas'ud, à propos duquel a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut mémoriser le Qur'an comme il m'a été révélé, qu'il l'apprenne de la bouche d'Ibn Mas'ud. Bah, Ibn Mas'ud a fait les éloges de qui? D'Ibn Abbas. Et a montré au grand jour que Abdullah ibn Abbas était quelqu'un qui méritait qu'on prenne de lui la science, et la science du tafsir. Ibn Abbas, c'est un exemple de l'excellence dans Talib al-Ilm. Et les savants conseillent et recommandent vivement de lire sa tarjama, sa biographie, particulièrement pour les étudiants. Particulièrement pour ceux qui aiment la science et qui veulent apprendre la science. Ibn Abbas radiallahu anhu kana yatatabba'u al-hadith wa yatba' ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fardan fardan.
وربما نام عند باب أحده. Ibn Abbas radiallahu anhu, il suivait les compagnons un par un. Il les suivait leur demandait la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un sahabi qui raconte une histoire qui dit, ou bien Ibn Abbas raconte qu'il avait un ami. Il avait un ami. Et il lui disait, viens avec moi. On va réunir les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir tous les compagnons, on leur demande la science. Halumma najma'u hadith à Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors son ami lui a répondu, أترى يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك طيب وفيهم أكبر الصحابة. Son ami lui a dit, tu penses que les gens vont avoir besoin de toi, ya ابن عباس? C'est encore un enfant. Tu penses que les gens vont avoir besoin de toi et vont t'écouter, alors que il y a les grands compagnons comme Abu Bakr et Omar. Alors ابن عباس a laissé son ami, s'est séparé de son ami et est parti demander la science. Et il raconte de lui-même, ابن عباس رضي الله عنه raconte de lui-même. كنت أتبع الرجل عنده حديث. Il dit, je suivais l'homme lorsque je savais qu'il avait un hadith. يعني je marchais derrière lui. خارج المسجد. فأتبعه إلى بيته وأستحي أن أوقفه في الطريق. فأمشي وراءه وأقول لعل يلتفت إلي فأسأل. Ibn Abbas dit, je marchais derrière les hommes lorsqu'ils sortaient de la prière. Et un jour, il y a un homme qui est sorti de la mosquée après Salat al-Dhuhr. Alors j'ai marché derrière lui. Mais j'ai eu honte de l'arrêter en plein chemin. Alors je marchais derrière lui en me disant, j'espère qu'il se retournera. Regardez, subhanallah, hubbul hadith, l'amour du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il marche derrière un homme, il n'ose même pas l'arrêter. Il a honte de lui. Et il dit, j'espère qu'il va se retourner. Mais il marchait jusque chez lui, sans se retourner, et il me claquait la porte au nez. Yani, il ne le voyait pas. Jusqu'à rentrer chez lui et fermer la porte. Ibn Abbas arrivait devant la porte comme ça, et il repartait sans hadith. Alors il partait voir quelqu'un et il le suivait. Il partait voir un autre et il le suivait. Jusqu'à réunir les hadiths du prophète. Et un jour, il a marché derrière un compagnon. Après, Salat al-Dhuhr. Ce compagnon ne s'est pas retourné en chemin et comme à son habitude, Ibn Abbas n'a pas osé l'interpeller. Ce compagnon est rentré chez lui. Ibn Abbas, pensez-vous qu'il est reparti et a dit « Khayran, Inch'Allah » Non. Il s'est assis devant la porte. Il s'est assis devant la porte et a attendu. Et il nous dit « J'ai pris mon vêtement et je me suis couvert le visage. Et le vent soufflait et il y avait la poussière et le sable. » Imaginez cette image. Subhanallah. Et on est en Arabie. Et il y a le sable. Et il y a la chaleur. Ou bien il y a le vent. Yani c'est une situation très difficile. Ibn Abbas patientait. Hubban li hadithi rasul il habibi sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela par amour pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ensuite, fajalastu inda babihi antadiru khurujahu. Il dit, je me suis assis devant sa porte en attendant qu'il sorte. Il n'est pas sorti si ce n'est pour Salat al-Asr. Donc il est resté de après le Dhuhr jusque avant l'Asr. Pour un hadith. Et il dit, ghalabat an-nawm. Le sommeil m'a pris. Donc je me suis endormi devant sa porte. Lorsque le sahabi est sorti de chez lui, il a dit, man hadha? Hadha ibn Abbas. Mais qui es-tu? C'est Ibn Abbas. Ibn Abbas s'est réveillé. Il lui a dit, oui, c'est moi. Je suis venu chercher le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'homme lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Je serais venu chez toi pour t'enseigner le hadith. Ibn Abbas lui a dit, là, inna al-ilma yu'ta ilay. Il lui a dit, non, c'est moi qui veux la science, c'est moi qui me déplace. La science, elle ne vient pas vers les gens. C'est les gens qui doivent se déplacer vers la science. Regardez juste dans cette histoire combien on va tirer de fawaïd dans talib ilm, le comportement du talib ilm, la motivation du talib ilm, la himma, l'ambition du talib ilm, la patience du talib ilm, l'amour du talib ilm pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le talib ilm dépasse la difficulté. Car ce qu'il recherche est plus immense que la difficulté qu'il subit en chemin. Les difficultés que tu subis en chemin sur le chemin talib ilm,
C'est incomparable devant la récompense qu'Allah Azza wa Jalla a préparée pour les étudiants en science. Ibn Abbas, يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي التَّوَاضُعِ. Ibn Abbas, c'est l'exemple même de la modestie. Un jour, alors que qu'il marchait lui à pied et que Zayd ibn Thabit était sur sa monture, Ibn Abbas tenait les rênes et il marchait à côté de lui. Alors Zayd ibn Thabit lui a dit: imma an tarkab ma'i imma an anzi. Zayd ibn Thabit a eu honte de cette image. Ibn Abbas marche à côté de moi comme cela. Zayd ibn Thabit lui a dit: soit je descends de la monture et on marche nous deux à pied, soit tu montes avec moi. Ibn Abbas lui a dit: je ne monterai pas et tu ne descendras pas. Hakadha umirna an nakuna ma ulama'ina. Subhanallah. Il lui a dit: c'est comme cela qu'il nous a été ordonné de nous comporter envers nos savants. Vous imaginez, Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui marche au pied d'une monture et tient les rênes de cet homme. Et cet homme lui dit: monte avec moi. Ibn Abbas refuse. Il dit: alors je descends. Ibn Abbas refuse. Et lui dit: c'est comme ça qu'on nous a éduqués. C'est comme ça qu'on nous a appris à nous comporter envers nos savants. Après qu'Ibn Abbas ait acquis beaucoup de science, son ami du début qui lui a dit à l'époque: tu penses que les gens vont avoir besoin de toi, et ainsi de suite, est venu le voir et prenait la science auprès de lui. Et il disait: cet enfant a été plus intelligent que moi. Cet enfant a été plus intelligent que moi. Lorsque tu fais talbim, ta niya première ne doit pas être de transmettre, c'est pour toi d'abord. Pour enlever ton ignorance, pour mettre en pratique. Puis seulement après, pour transmettre aux gens. Et qui sait, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, les enseignants sont nombreux, les savants sont nombreux, mais demain ils mourront et on aura besoin de toi. Demain, les gens vont mourir et à ce moment-là, on aura besoin de quelqu'un pour enseigner la langue arabe. Mais si toi, au moment où on n'avait pas besoin, tu ne l'as pas apprise, qui va la transmettre? Qui va enseigner à nos enfants la langue arabe si ceux qui l'ont apprise viennent à mourir? Qui est-ce qui va enseigner le Coran si ceux qui l'ont mémorisé décèdent? Qui est-ce qui va enseigner le Hadith et son explication si ceux qui l'ont étudié viennent à mourir? C'est pour cela que l'enfant, depuis son plus jeune âge, doit apprendre, étudier. Pour les jours futurs, pour son présent, mais aussi pour les jours futurs. Car il se peut qu'on ait besoin de lui. Comme on a eu besoin par la suite d'Ibn Abbas, radiallahu anhu. Parmi les mérites d'Ibn Abbas, il y a le fait qu'il a vu Jibril plusieurs fois. Certains savants disent deux fois. Un jour, il est sorti avec son père Al-Abbas. Il est parti frapper chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une première fois, on ne lui a pas répondu ni ouvert la porte. Une deuxième fois, pareil. Troisième fois, également. Alors Al-Abbas est parti, il était énervé. Alors Abdullah, son fils, radiallahu anhu, lui a dit: « Abati la tardab. » Alors son fils a fait un rappel à son père en lui disant: ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Ça, j'ai pas pensé à citer dans ma khutbah, ça aurait été munasib. Walhamdulillah. Donc Ibn Abbas a dit à son père: oh mon père, ne te mets pas en colère, peut-être qu'il est occupé avec l'homme qui est assis auprès de lui. Al-Abbas lui a dit: de quel homme tu parles? Il n'y avait personne. Et il lui a dit: si. Alors ils sont revenus, il a frappé à la porte, et dès qu'il a frappé, le prophète sallam lui a donné la permission d'entrer. Alors Al-Abbas lui a dit: ya Rasulallah, comment se fait-il que tu ne m'as pas donné la permission d'entrer alors que j'ai frappé trois fois? Et cet enfant prétend que tu étais occupé avec un homme chez toi, assis auprès de toi, qui te parlait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné et a regardé Ibn Abbas et il lui a dit: ya ghulam, araita ar-rajul alladhi kana 'indi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: au jeune homme, est-ce que tu as vu l'homme qui était assis auprès de moi? Ibn Abbas lui a dit: oui. Il lui a dit: hadha Jibril. Il lui a dit: c'était Jibril. Alayhi salam. Donc on voit qu'Ibn Abbas radiallahu anhu a vu Jibril alayhi salam. Ibn Abbas madrasa. مؤسس مدرسة مكة والبصرة
wa ghayrihima. Ibn Abbas, c'est celui qui a éduqué en matière de science les gens de la Mecque et les gens de Basra et d'autres endroits. Et il a une école de tafsir et il avait de nombreux élèves. Venons au hadith. Il nous dit Kuntu radif al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur une monture. Donc j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur une monture. De cela on tire la permission de monter en groupe avec une personne sur une monture. Tant que la monture peut supporter cela, il n'y a pas de mal. Et ça ne contredit pas les nobles caractères. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en Ibn Abbas la capacité à mémoriser, à comprendre et à recevoir son éducation qu'il allait lui donner. Il a alors saisi cette occasion pour faire da'wa à Ibn Abbas et apprendre à Ibn Abbas et donner une grande leçon à Ibn Abbas qu'il nous a transmise ici. Il lui a dit « Ya Ghulam » au jeune homme. « El Ghulam » ma bayna sinni tamiz wa l'ihtinam. Al-Ghulam, c'est une période dans l'âge de la personne où il se trouve entre l'âge de la distinction et la puberté. C'est-à-dire entre 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tout ça, on peut appeler la personne Ghulam. Ça, c'est le sens le plus connu du mot roulam. Ensuite, il lui dit Inni u'allimuka kalimat. Je vais t'enseigner quelques paroles. Kalimat, jam'u kalima. Wa laysa al-murad hahuna ma urida fi istilah al-nahwiyyin. Kalima lafdhun lahu ma'na. Alis, wal-fi'l, wal-harf, qad. سين سوف كل هذه الأمور كلمات قام جلس كلمات طيب محمد عبد وهكذا كلمات المراد هنا الكلام الجملة المفيدة ce qui est voulu ici par kalima c'est pas le sens voulu chez les grammairiens aujourd'hui. Al-kalima c'est un mot qui a un sens mais ça n'est pas le sens voulu ici. Al-kalima chez les Arabes, quand on dit une kalima, c'est une phrase, c'est des paroles. C'est pas ce qui est voulu dans la terminologie des grammairiens. Donc chaque phrase, c'est une kalima. Et le muhadir dit, ça ulqi kalimatan ila masami'ikum, par exemple. Je vais donner une kalima. Pour dire une conférence, ça n'est pas un mot, puis il va se taire. Non, c'est plusieurs phrases ayant un sens utile et profitable. Donc inni u'allimuka kalimat, donc des paroles déterminées, des paroles que tu pourras comprendre et mémoriser. Ihfazillah yahfazuk. Préserve Allah, protège Allah, il te protégera. Le mot protéger a été rattaché à Allah. Le mot protéger a été rattaché au serviteur. Quel est le sens du terme protéger Allah lorsqu'on utilise le mot protéger pour envers Allah, et quel est le sens du terme lorsqu'il est utilisé pour le serviteur? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'être protégé, ou bien c'est Allah qui nous protège? Allah subhanahu wa ta'ala khayrun hafiza, c'est celui qui nous protège. Donc quel est le sens de ihfazillah, protège Allah? Les qara'in, le contexte du hadith nous répond. Donc les savants ont expliqué ce hadith en disant que le sens de ihfazillah était ihfaz hududallah, ihfaz wajibatillah, ay ati'illah fi awamirih. وترك معصيته واجتنب
من نواهي وصدق أخباره هذا هو حفظ الله. Que veut dire protège Allah, préserve Allah? Cela veut dire protège les commandements d'Allah, préserve les ordres d'Allah. Voici le sens de Ihfazillah. Donc Ihfazillah fi awamirih wa nawahih wa huquqihi alayk. Donc protège Allah signifie préserve Allah dans ses ordres, donc accomplis ses ordres. Préserve Allah dans ses interdits, donc éloigne-toi de sa désobéissance. Préserve Allah dans ses droits, c'est-à-dire acquitte-toi de tes devoirs envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah fi akhbari, protège Allah dans ses informations, c'est-à-dire reconnais et certifie l'ensemble des informations qui ont été citées dans le Coran. Voici le sens de Ihfazillah. Et pour détailler un peu plus, yajibu alayka an tahfaz Allah fi dhatihi, fi asma'ihi, fi sifatihi, fi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Lahu al-asma'ul husna. Wa lahu al-mathalul a'la. Tu dois protéger Allah dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actions. Que signifie cela? Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, comme nom, comme attribut, comme action, tu dois y croire. Tu dois y croire. Tu connais le sens, tu l'affirmes. Tu ne changes pas le sens et tu ne fais pas ressembler Allah à ses créatures. Allah nous dit dans son livre, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. C'est lui l'audient et le clairvoyant. Tu affirmes qu'Allah entend et voit, mais il ne voit pas ni n'entend, comme ses serviteurs. Et tu t'arrêtes là. Tu ne recherches pas le comment. On connaît le nom, on connaît le sens, mais on ne connaît pas le comment. Et ce n'est pas permis de questionner sur le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'Allah s'est affirmé, ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'affirmer sans aucun doute. Et sans altérer le sens. Allah Azza wa Jal par exemple nous dit qu'il a créé Adam avec ses mains. Ben tu affirmes qu'Allah a des mains. Mais tu dis que les mains d'Allah ne sont pas comme les mains de ses serviteurs. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Dans 6 versets dans le Coran. Thumma istawa al-Arsh. Ar-Rahman. Dans le 7e verset. Allah nous dit le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Ben tu dis Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Et si on te demande Aïn Allah, tu dis Fissama ou bien al-Arsh istawa. Tu dis Allah est élevé au-dessus de son trône. Et tu dis ce qu'Allah a dit sur lui-même dans le Coran. Et tu ne dépasses pas cela. Qala l'imam Ahmed, la yutajawaz al-Qur'an wa la al-Hadith. Imam Ahmed disait souvent on ne dépasse pas le Coran ni le Hadith. On ne dit sur Allah que ce qu'il a dit sur lui-même. Et l'imam Malik disait la même chose. Et l'imam Shafi'i également. Et l'ensemble des imams de Ahl Sunnah. Tu dois affirmer qu'Allah Azza wa Jalla a la perfection totale dans ses noms et dans ses attributs. Il n'a aucun manquement, aucun défaut. Cela fait partie de Hifzullah. Par contre, celui qui vient et dit non, Allah ne voit pas, n'entend pas, Allah n'est pas au-dessus de son trône. Al-Hafiz Allah ? Est-ce qu'il a préservé Allah dans ses informations ? Non. Mais il aura plutôt désobéi Allah Azza wa Jalla et aura commis un grave péché. Ihfazillah fi awamirih. Tu dois préserver Allah Azza wa Jalla dans ses obligations. Allah dit dans le Coran, wa aqimu salata wa atu zakah. Comment est-ce que tu vas protéger Allah dedans? Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'accomplir la prière et de la préserver. De préserver l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Tu fais la prière avec assiduité à la mosquée, avec une purification complète, avec khushu', avec recueillement, humilité, en groupe,
avec l'imam à la mosquée, là tu auras préservé Allah dans son ordre. Pareil pour la zakat. Combien de gens ont de l'argent et ne sortent pas la zakat? N'ont-ils pas peur que yawm al-qiyamah ou dans leur tombe? N'ont-ils pas peur de recevoir un châtiment douloureux? Et combien sont les châtiments qui ont été cités dans les hadiths pour ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat? Celui qui n'a pas sorti la zakat un certain nombre de temps doit se repentir et venir demander comment on fait maintenant. Tu dois réunir et estimer ce que tu n'as pas sorti et le sortir maintenant. Tu dois préserver Allah Azza wa Jal dans le siyam, somme Ramadan. Tu dois préserver Allah Azza wa Jal dans le hajj, le faire, lorsque tu as les moyens, la capacité, avec de l'argent halal. Et cela est valable pour l'ensemble des ordres d'Allah Azza wa Jal. Birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents. Tu dois préserver Allah dans cela. Tu dois être bien envers tes parents. Husnul ishra, tu dois être bien avec ton épouse. Tarbiyat al-awlad, tu dois éduquer tes enfants. Tout cela fait partie, rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ihfadillah, protège Allah. Donc, en résumé, cette parole signifie quoi? Unifier Allah d'un culte sincère. Adorer Allah Azza wa Jal à la manière dont nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéir Allah dans ses ordres, s'éloigner de ses interdits et reconnaître l'ensemble de ses informations. Voici le sens, voilà le sens de Ihfadillah. D'accord, si tu mets en pratique cela, quelle sera ta rétribution? Al-jaza'u min jinsi al-amal. Lorsque tu fais du bien, Allah Azza wa Jal te donne du bien et te multiplie ce bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la réponse, Yahfadk. Préserve Allah, il te préservera. Voici la rétribution. Voici la récompense qu'Allah Azza wa Jal a préparée pour les gens qui ont préservé ses commandements et observé strictement les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Ihfadillah, il y a aussi le fait de délaisser les péchés, en commençant par le shirk, qui est le pire péché. Et il n'y a pas de péché au-dessus du shirk. Et ne dit cela qu'un ignorant qui n'a pas étudié la religion d'Allah Azza wa Jal auprès des maza, auprès des savants. Ensuite, tu dois délaisser uqukul walidayn. Tu dois t'éloigner de la désobéissance envers les parents. Tu dois t'éloigner du vol, de la médisance et de toute forme d'injustice. Tu dois t'éloigner du manquement dans les prières, de les faire sortir de leur temps, qu'Allah a légiféré. Tu dois prier à la mosquée. Et tu dois délaisser tout ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas et nous a interdit. Quelle est la rétribution, Yahfadk? Allah te préservera. Il te préservera dans quoi? Yahfadhuka fi dinik. Yahfadhuka fi dunyak. Yahfadhuka fi ahlik. Yahfadhuka Allah fi malik. Yahfadhuka Allah fi sihhatik. Fi al-ahli wal-awlad. Fi tijaratik. Fi safari wal-hadar. Yahfadhuka Allah fi ahwalika kulliha. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu mets en pratique le début du hadith, il te préservera. Il te préservera dans quoi? Il te préservera dans ta religion. Il va te raffermir dans la religion. Il va te guider sur la sunna. Il va te faire apprendre ta religion. Il va te guider vers les assises de la sunna, auprès des gens de la sunna. Il va te permettre d'avoir de bons compagnons, de bons conseillers dans ta religion. Il va te permettre d'apprendre la vérité du faux. Il va te permettre d'appliquer la vérité, de t'éloigner du faux. Il va te préserver des sectes égarées. Il va te permettre de te cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela jusqu'à ton dernier souffle. Allah Azza wa Jal te préservera dans ta religion. Il t'aidera à faire la prière, à t'acquitter de l'aumône légale, à jeûner le mois de Ramadan, à accomplir le pèlerinage, à être bien envers tes parents, à éduquer ta famille, tes enfants. Il t'aidera dans toutes tes affaires. Subhanallah. Est-ce que cela n'a qu'un côté religieux? Non. Mais même dans les affaires de ce bas monde, Allah Azza wa Jal, Yahfadhuk, il te protégera dans ta santé. Il te protégera dans ta santé et mettra la baraka dans ton âge, dans ta vie. En peu de temps, tu pourras faire bien plus que ceux qui désobéissent Allah Azza wa Jal. L'imam al-Nawawi qui a écrit ce livre, il n'a pas vécu longtemps, mais il a laissé un héritage immense, subhanallah. Al-Hafid al-Hakami n'a pas vécu longtemps, mais il a laissé un héritage immense. Pourquoi? Hafidullah.
فحفظهم الله. Ils ont préservé Allah et les limites d'Allah. Alors Allah les a préservés, a mis la baraka dans leur âge. Allah Azza wa Jal va te préserver, mettre la baraka dans ta santé. Allah va te préserver dans ton épouse et va mettre la baraka dans celle-ci. Il va la guider et faire d'elle une femme pieuse qui va t'aider dans la religion d'Allah Azza wa Jal, qui te recommandera le bien, t'interdira le mal. Elle sera pour toi de bons conseils. Allah va te préserver dans tes enfants. Il te donnera des enfants pieux qui seront pour toi une aide dans ce bas monde et une aide après ta mort. Ils feront dua pour toi. Ils seront pour toi la prunelle de tes yeux. Tu ne verras d'eux que le bien. Et ils seront sur l'islam. Yahfadouk Allah. Pourquoi tout ça? Parce que tu as préservé les limites d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu lui as obéi. Tu t'es éloigné de sa désobéissance. Tu as certifié toutes ces informations. Ben voici la récompense. Et lorsqu'Allah donne, il donne avec largesse. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa akramul akramin. Et c'est le plus généreux. Ghaniyun hamid. Et il est riche. Hayyun la yamut. Il est vivant, il ne meurt pas. Donc lorsqu'Allah rétribue son serviteur, il lui donne avec largesse. Il lui donne sans compter, subhanahu wa ta'ala. Il mettra la baraka et te préservera également dans ton argent. Soit il t'enrichira, soit avec le peu que tu as, cela sera béni, tu pourras faire beaucoup de choses. Beaucoup plus que ceux qui amassent de l'argent de manière illicite, en vendant de la drogue, ou en volant, ou avec un système d'usure et d'intérêt. Et j'en passe. Toi, avec ton argent halal, tu as craint Allah Azza wa Jal. Allah yahfadouka fi malik. Allah va te protéger dans ton argent. Allah va te protéger dans ton argent. Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger des shayatins et des djinns, du monde invisible. Il te préservera de tes ennemis, ce que tu vois et ce que tu ne peux pas voir. Allah Azza wa Jal te préservera de cela. Et si jamais tu es touché d'un mal, ça ne sera qu'une épreuve pour te purifier de tes péchés, t'élever en degré. Et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala sera très proche de toi. Pourquoi cela? Car tu as préservé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Izan, yahfaduka Allah subhanahu wa ta'ala min kulli su'in tarsha. Donc Allah azza wa jal va te préserver de toute nuisance que tu crains. De toute nuisance dont tu crains le mal. Regardez l'histoire de Yusuf alayhi salam. Dans sa jeunesse, il était bienfaisant envers son père, envers sa femme. Ensuite, il s'est retrouvé éloigné dans une contrée retirée. Il ne connaissait personne. La femme du roi, alors que Yusuf était dans ses appartements, a enfermé Yusuf alayhi salam. Et c'était un homme d'une grande beauté. Elle a été éprise de lui et l'a invité à commettre le péché. Qu'a-t-il répondu? Qala ma'adha Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla ar-ra'a burhana rabbi. كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Allah Azza wa Jal nous cite l'histoire de Yusuf et nous montre que lorsque la femme du roi a essayé de l'appeler au péché, comme Yusuf alayhi salam était pieux et a protégé Allah Azza wa Jal dans ses limites et dans ses ordres et ses interdits, Allah Azza wa Jal l'a protégé. Allah Azza wa Jal l'a protégé, l'a mis à l'abri du péché. Il a préféré entrer en prison plutôt que de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après cette première partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un deuxième conseil à Abul Abbas. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Et kullama tawajjahta ila jiha يكون الله أمامك أي معك المعية الخاصة المتضمنة للنصر والتأييد للتوفيق والسدد لحسن الخاتمة. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: protège Allah et tu le trouveras toujours dans ta direction. Tu le trouveras devant toi. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas avec toi lorsque tu iras à droite ou à gauche. Non.
Cela veut dire qu'à chaque fois que tu te dirigeras dans, vers une affaire, dans une direction, bah Allah sera avec toi. Et tu trouveras Allah devant toi. Il sera proche de toi. Son aide sera proche de toi. Son secours sera pour toi. Sa défense te sera accordée. Allah Azza wa Jal va te protéger. Allah Tabaraka wa Ta'ala va te défendre. Allah Subhanahu wa Ta'ala va te rapprocher de lui. Va te maintenir sur sa religion. Allah Subhanahu wa Ta'ala va te permettre de mourir sur l'islam. Al-Ma'iyatul Khas. Allah sera avec toi. Tout particulièrement avec toi, Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fawqa al-arsh. Wa la tanafi baynahuma. Donc dans toutes tes affaires, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera. Et l'exemple qu'on peut citer ici, lorsque tu vas sortir pour faire talib al-ilm, bah Allah azza wa jalla est avec toi. Il t'aide, il te permet de sortir de chez toi pour venir apprendre. Il te permet d'écouter avec attention. Il te permet d'adopter le comportement du talib al-ilm. Il te permet d'écouter, de noter, d'écrire, de retenir, de comprendre et ensuite d'appliquer. Et pour une partie d'entre nous de transmettre. Hadha min hifdillah. Ça fait partie de la protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde. Lorsque tu vas travailler, tajidhu tujahak. Tu le trouves devant toi. Il t'aide. Il te préserve de tout argent haram. Il te préserve de l'argent illicite. Il te préserve de faire de l'injustice dans le chemin du travail, au travail, sur le retour, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala te préserve dans cela. Et cela rejoint le verset où Allah nous dit « Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsin. Man hafidha Allah, man alladhi hafidha Allah wa ittaqi. » Qu'est-ce qui en vérité a préservé Allah? En vrai, c'est la définition de la piété. Allah nous dit à leur sujet: certes, Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui agissent avec excellence. Et rappelez-vous l'histoire des trois hommes qui étaient en voyage, et ils sont tombés sous une averse, et ils se sont abrités dans une grotte, et c'est alors qu'un gros rocher a fermé et bouché l'entrée de la grotte. À ce moment-là, il n'était vu de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et eux n'avaient recours à personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'un d'entre eux a dit: il n'y a rien qui nous sauvera de notre état si ce n'est d'invoquer Allah par des actions pieuses que nous avons fait sincèrement pour lui. Donc que chacun d'entre nous pense à l'action de laquelle il espère le plus auprès d'Allah Azza wa Jalla. Alors le premier s'est rappelé quoi? Birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents. Il a dit: ya Ô mon Seigneur, j'avais mes parents et j'avais mon épouse et mes enfants. Et je ne faisais, et lorsque j'allais traire mes bêtes, je venais le soir pour donner à boire à mes parents avant mon épouse et mes enfants. Mais un jour, alors que j'ai tardé ou je me suis endormi, j'ai détesté, lorsque je suis venu trouver mes parents, je les ai trouvés en train de dormir. Alors j'ai détesté les réveiller. Et j'ai détesté faire devancer mon épouse et mes enfants. Alors j'ai attendu devant leur tête jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Imagine la situation. Un homme adulé, il y a son enfant qui réclame, il y a son épouse, mais lui se rappelle que ces deux êtres-là sont ceux qui l'ont mis au monde. Cette mère qui est devant lui, c'est celle qui l'a mise au monde. C'est elle qui lui a appris à parler. Celle qui lui a appris à manger. Celle qui l'a langé. C'est elle qui l'a couvert de sa miséricorde. Jusqu'à ce que ce soit devenu un homme
capable de marcher seul, de travailler seul, alors il n'a pas oublié la bienfaisance de cette mère. Il s'est rappelé de cet homme qui sortait dans la nuit, dans le froid, et quel que soit le climat, pour aller chercher de la nourriture halal, pour que son enfant puisse manger, pour que son enfant puisse dormir au chaud. Alors, il a vu qu'il n'y avait aucune comparaison à faire entre ses chers parents, sa chère épouse et son enfant. وهذا هو الحق في الحقيقة لا مقارنة بين الوالدين والزوجة والولد لمن عقل عن دين الله. Il n'y a aucun doute que les parents ont un niveau bien plus supérieur auprès de toute personne connaissant la religion d'Allah Azza wa Jalla que l'épouse et les enfants. Pourtant, l'épouse et les enfants ont une grande place dans l'islam, dans la vie de l'homme. Mais wallahi, que la place de la mère et la place du père est bien plus élevée que cela. Alors cet homme a refusé de donner à boire à son enfant, ainsi qu'à son épouse, jusqu'à ce que ses parents se soient réveillés et leur a donné. Puis seulement ensuite, à sa famille. Puis, il s'est adressé à Allah Azza wa Jal en disant, Ya Allah, tawassul shar'i, bil amal salih. Il a invoqué Allah Azza wa Jal en citant sa bonne action. Ya Allah, si tu sais que j'ai fait cela sincèrement pour toi, permets-nous de sortir de la grotte. Alors le rocher s'est décalé un petit peu, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. Deuxièmement, un homme a invoqué Allah Azza wa Jal par une bonne action qui est Hifdul Aman. Il a préservé le dépôt de son employé. Il avait un employé qui a travaillé pour lui. Lorsqu'il est venu pour lui donner son salaire, son employé l'a refusé et est parti. Longtemps après, il est revenu. Et il lui a dit, oh Abdallah, donne-moi mon salaire. Il lui a dit, tout ce que tu vois dans la vallée, comme bête, c'est ton salaire. Il lui a dit, mais tu te moques de moi. Il lui a dit, prends tout ce que tu vois. Il lui a dit, prends tout ce que tu vois. En fait, il avait pris son salaire, l'avait investi et l'avait fait fructifier. Et il lui a tout donné. Alors qu'il aurait pu lui donner que Ra'sul Mal. Il aurait pu lui donner que son salaire. Et ce avec quoi il a travaillé, il aurait pu le garder. Mais non, il lui a tout donné. Cet homme a tout pris et parti avec. Il a dit, Ya Allah, si tu sais que j'ai fait cela sincèrement pour toi, permets-nous de sortir de la grotte. Fafuj'anna. Alors, Allah Azza wa Jal a fait se déplacer le rocher, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. Le troisième a invoqué Allah Azza wa Jal bil'ifa. Du fait qu'il s'est préservé de la fornication. Il avait sa cousine et c'était la femme qu'il aimait le plus. Et lorsqu'il a faibli un jour, il est parti et a essayé de commettre le péché avec elle, mais elle s'est préservée et a refusé. Mais un jour, alors qu'elle était dans une grande pauvreté, il lui a proposé une grande somme d'argent contre le péché. Elle a faibli et a accepté, wallahu musta'an. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien pour elle. Et lorsqu'il s'est retrouvé sur elle, lorsque, comme l'homme se trouve sur son épouse, cette femme a dit, ittaqillah, crains Allah. Elle lui a rappelé taqwa. Elle lui a rappelé son Seigneur qui le voit. Et lui a dit, ne fais pas cela si ce n'est dans le halal. Alors l'homme dit, je me suis levé. Et je lui ai laissé tout l'argent et je suis parti. Al-ifa. Alors il a dit, ya Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour toi, permets-nous de sortir. Et le rocher s'est décalé et ils ont pu sortir. Et ils ont pu sortir. Allahu Akbar. Qui est-ce qui connaissait leur état? Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika. Al-alamu kulluhum la yadri anhum. Wahum fira ma fi ahad. Wallahu subhanahu wa ta'ala hafidhahum. لِحِمْنِهِمْ إِيَّاهُمْ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Pourquoi? Parce que eux, auparavant, avaient protégé les limites d'Allah. Le premier dans Birul Walidayn. Le deuxième dans Hifdul Amana, le dépôt. Et le troisième, Al-Ifa. Il s'est préservé de la fornication. Donc celui qui préserve Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il y avait un homme
chez les anciens, qui était sur un bateau. Et lui était âgé, il y avait beaucoup de jeunes avec lui. Imaginez lorsqu'on va au Hajj. Hein, pour ceux à qui Allah Azza wa Jal a accordé ce grand bienfait de pouvoir faire le Hajj. Une fois ou deux fois ou plus. On a Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous garde en vie afin qu'on puisse l'effectuer et le refaire plusieurs fois. Un homme était sur un bateau avec un groupe de personnes. Et parmi eux, il y avait des jeunes. Et lui était âgé. Lui était âgé. Et lorsque le bateau est arrivé proche, comment on appelle ça, du bord, voyez, la personne âgée s'est levée, hein, et n'a pas attendu que le bateau, et allez, comment on va dire ça, arrive sur le bord, d'accord. Beaucoup d'entre nous ont déjà pris le bateau, d'accord. Tu attends que le bateau arrive sur le bord, sur le sable, et ensuite on te fait descendre. Cette personne qui était pourtant âgée, hein, avant que le bateau arrive sur le bord, s'est levé, a pris ses affaires, il a couru et il a sauté. Il a sauté du bateau jusqu'à arriver sur la terre ferme. Alors les jeunes se sont étonnés. Eux n'étaient pas capables de faire ce que la personne âgée a fait. Ils sont venus le voir, ils l'ont dit, mais comment est-ce que tu arrives à faire ça à ton âge? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, « Ayyuha al-awlat. هذه الأعضاء حفظناها في الصغار فحفظها الله في الكبار. سبحان الله سبحان الله. L'homme a répondu, oh mes enfants, vous voyez ces membres, vous voyez ce corps, je l'ai préservé dans mon enfance, je ne commettais pas le haram et j'obéissais à Allah Azza wa Jalla. Ben maintenant que je suis vieux, c'est Allah qui me les préserve. C'est Allah qui me les préserve. Wallahi, on a vu des personnes âgées porter des choses, nous on n'arrive pas à les porter. C'est quoi ce sabab? Même des femmes âgées, elles arrivent à porter des choses que nous on n'arrive pas à porter, subhanallah. C'est quoi la cause? C'est que dans leur jeunesse, ils ont préservé les limites d'Allah. Ils ont obéi à Allah. Vous croyez qu'Allah Azza wa Jal va les abandonner maintenant qu'ils ont atteint un âge avancé? Là. Comment est-ce que tu expliques qu'au saf al-awwal, la plupart c'est quoi, des jeunes ou des vieux? C'est dur à dire, mais dites-le. Hein? J'ai pas entendu. C'est des personnes âgées. Barakallahu fi. Haqqash, adakallah. Ça fait l'awel. Si c'est qui? Ah, il est content si c'est aujourd'hui. Hein? C'est les personnes âgées. Sahih alala. Hein? C'est une vérité. Pourtant, nous sommes jeunes. Et nous avons de la force. Mais la vraie force, c'est la force qu'Allah Azza wa Jal te donne parce que tu as préservé ses limites dans ta jeunesse. Lorsqu'Allah nous a facilité le Hajj, wallahi, que je n'arrivais plus à marcher. J'avais extrêmement mal en dessous les pieds et je me suis dit, je vais prendre le taxi, j'arrive plus à marcher. Et à ce moment-là, j'ai tourné ma tête. Ça, c'est un souvenir qui est resté ancré dans ma tête, ça fait 11 ans ou 12 ans, 11 ans ou 10 ans. Et j'ai vu une personne âgée qui ne pouvait même plus se tenir droit. Son dos était comme cela, je ne sais pas comment dire en français. Il est vraiment courbé. Et il marchait sans se plaindre. C'est comme s'il ne ressentait pas la fatigue, subhanallah. Et nous, qui avions alors, Allahu alayhim, peut-être 18 ans, 19 ans, wallahi qu'on était en train de souffrir. Quand j'ai vu cette image, j'ai eu honte. J'ai eu honte, subhanallah. Quelle est la cause de cela? C'est lorsque les gens préservent les limites d'Allah Azza wa Jal dans leur jeunesse. Allah Azza wa Jal leur permet, après avoir atteint un âge avancé, d'être comme cela. Et il y a un chir de Mauritanie qui se levait les nuits et priait des heures et des heures et des heures. Et un de ses élèves nous a raconté cette histoire. Eux essayer de se lever pour prier la nuit avec lui. Mais le chir, il durait au point que ils abandonnaient. Ils priaient un peu, le chir, il restait des heures et des heures. Un jour, ils se sont réunis, ils ont dit, on va aller demander à chir, c'est quoi son secret? Massim, comment se fait-il qu'il arrive à rester des heures et des heures et des heures, subhanallah, et nous on n'arrive pas, et nous sommes jeunes et il est âgé. Ils lui ont posé la question. Il leur a dit, ayyuha shabab, oh vous les jeunes, quand vous vous levez pour faire qiyam al-layl, vous vous levez avec votre force à vous. Moi, astamid quwwati min Allah.
Moi, j'utilise pas ma force, mais je recherche la force auprès d'Allah. C'est Allah qui me tient, qui me maintient debout. C'est Allah qui me maintient debout. Donc si tu veux être bien quand tu auras atteint l'âge avancé, sois bien lorsque tu es jeune. Et parmi les sept qui rentreront, qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour où il n'y aura pas d'autre ombre, Shabud nasha'a fi ta'atillah. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, wa idha sa'alta fas'alillah. Et lorsque tu demandes une chose, demande-la à Allah. Lorsque tu recherche l'aide auprès d'Allah. C'est permis de demander l'aide à une créature avec trois conditions. Ayakuna hayyan hadiran qadira. S'il est vivant, présent et capable. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduque Ibn Abbas sur la perfection du tawhid. Tu as besoin d'aide, tu te diriges vers ton Seigneur. Tu as besoin d'aide, tu te diriges vers celui qui te voit dans tous tes états. Vers celui qui ne te ferme jamais sa porte. Vers celui qui aime que tu lui demandes. Vers celui qui t'a ordonné de lui demander dans le Coran. Vers celui qui t'a informé dans le Coran qu'il est proche de toi lorsque tu lui demandes. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et ces deux parties du hadith, on les retrouve dans Al-Fatiha. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est tout. Toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Lorsque tu demandes une chose, demande-la à Allah. Et lorsque tu recherches de l'aide, recherche-la chez Allah. Subhanallah. Où sont ceux qui, lorsqu'ils ont une difficulté, ils viennent voir les gens et demandent. Est-ce que vous connaissez un arabe? Est-ce que vous connaissez un mava, un, comment on dit ça encore, un frère? Est-ce que vous connaissez ça, ça, ça? Aïn Allah, aïn Allah, alladhi yaraka hina taqoum, alladhi ya'lamu jami' ahwalik, alladhi khalaqak, alladhi hadak, walladhi yarzuquk, walladhi yuslihuk. وإذا كنت مريضا شفاك. سبحان الله. تترك رب العالمين وتتوجه إلى المخلوقات الضعيفة المحتاجة إلى الله سبحانه وتعالى. Donc ceux qui se dirigent lorsqu'ils ont des difficultés ou un besoin vers les créatures, vers les sorciers et vers les créatures en général, on leur pose la question. Mais où est Allah dans votre vie? Vous laissez le vivant qui ne meurt jamais? Vous laissez celui qui entend tout, qui voit tout? Celui qui est fort, puissant, généreux, miséricordieux? Pour aller voir les créatures. Wallahi, même pour venir à la mosquée, tu as besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le muezzin dit Hayy ala salah, Hayy ala al-falah, qu'est-ce qu'on répond? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force, ni de puissance si ce n'est par Allah. Yani, tu ne peux pas passer d'un état à un autre si ce n'est par l'aide d'Allah. Même pour faire un pas devant l'autre pour venir à la mosquée, tu as besoin d'Allah. Demande l'aide à Allah. Pour poser ton front par terre, tu dois besoin d'Allah. Demande l'aide à Allah. Wallahi, des gens plus forts que nous, ils ne font pas la prière. Vous croyez qu'on fait la prière parce qu'on est plus fort que les autres? Là, c'est parce qu'Allah nous a aidés à faire cela. Et on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, on continuera le hadith jeudi prochain. Et comme j'ai cité au début du cours, c'est un hadith immense. C'est un hadith azim. Celui qui le comprend pourra haqqaq at-tawhid. Parfaire son tawhid. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaghfira lana dhunubana wa an yarfa'a darajatina fil jannah wa an yashfiana wa marda al-muslimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.